Let me remind you of some of the scriptures of this theme. Nous lisons le premier dans Matthieu 21, 22. Matthew 21, verse 22. Matthieu chapitre 21. Matthew chapter 21. Verset 22. Verse 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Demandez. Ask. Avec foi. With faith. Par la prière. Through prayer. Si tu n'as pas l'habitude de prier, comprends que c'est pourquoi beaucoup de choses ne marchent pas dans ta vie. If you don't have the habit of praying, understand that's why many things don't work. Demandez. Ask. Avec foi. With faith. Par la prière. Through prayer. Et recevoir. And receive. Jacques 1, 5 à 8. James 1, verse 5 to 8. Jacques. James 1. Chapter 1. 5 à 8, la Bible dit quoi? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mm-hmm. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas, ne pensez même pas, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Pourquoi ? Verset 6, 8. C'est un homme irrésolu. C'est un homme inconstant, pas dans quelques voies, dans toutes ses voies. Soyons constants. Let's be stable. Luc 17, 5. Luc, chapter 17, verse 5. Luc 17, 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Vous avez besoin... You need de voir votre foi augmenter. Si vous ne le savez pas, demandez à Dieu, augmente-moi la foi. You need to have your faith increased. If you do not know, ask God to increase your faith. La promesse. The promise. Dans Matthieu 18, 19 à 20. In Matthew chapter 18, verse 19 to 20. Matthieu 18, 19 à 20. La Bible dit ceci. Je vous dis encore que... Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, je bouge mes pieds, je sens que je suis sur la terre. I'm moving my feet, I realize si deux I'm d'entre on earth. Vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés, et nous sommes déjà plus de deux ou trois ici. There's more of us gathered here. En mon nom, assemblés pas pour les musiciens, mais au nom du Seigneur. Gathered in the name of God. Je suis au milieu d'eux. I am amongst them. Accueillons la présence de Dieu en acclamant. Let's fort. Welcome the presence of God by nous sommes assemblés en son nom. Il est au milieu de nous. We are gathered in His name. Nous le bénissons et le glorifions. He is among us. Il est us. Au milieu de nous. We give Him que glory. Que son nom soit loué. He's among us. May His Alleluia. Name be praised. Amen. Merci Seigneur. Thank you Lord. Le premier texte que nous avons lu. The first scripture we read. De Matthieu. 21, 22. Of Matthew chapter 21, nous avons parlé verse dès le 22. Premier dimanche qu'il s'agissait du Seigneur qui est dans ses derniers moments sur la terre. We said in the first Sundays that it was about Christ who was at last years of ministry. Il rentre à Jérusalem pour continuer. Il trouve un figuier et il avait faim. Going back to Jerusalem in continuing, he finds a fig tree and he was hungry. Et il s'approche au vu du feuillage qu'il y avait. He draws closer to that fig tree due to the greenery that was on that tree. Mais il se rend compte qu'il n'y avait pas de fruits alors qu'il en avait besoin. Only to realize there was no fruit, meanwhile he was hungry. Il maudit ce figuier. He curses this fig tree. Pour improductivité. Because of lack of productivity.
à cause de l'inutilité. Because of uselessness. À cause du refus d'accomplir son destin, sa mission sur la terre pour laquelle on l'a créé. Because of not fulfilling the reason for which it was created in the first place. Et à l'instant, la Bible dit qu'il a séché. Instantaneously, the Bible says it's withered. Et les disciples disent, tiens, quelle puissance. And the disciples were like, my goodness, what a power. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? My Lord, what's happening? Mais il leur explique. But he explains to them comment libérer la puissance. How to release power. Si vous croyez, if you believe, vous ne doutez pas, you do not doubt, vous pouvez parler. You can speak. Et ce qui est arrivé à ce figuier, vous pouvez le produire. And what happens to this fig tree donc, can also happen. La puissance que j'ai libérée est à votre disposition. So the power I have released is le at Seigneur your disposal. Le Seigneur l'a préparé parce qu'il allait quitter la terre et sans être avec eux physiquement, il devait continuer à agir. The Lord was preparing them because he would leave the earth without being with them. They had to continue to act. Et alors il leur dit aussi, vous pouvez dire à cette montagne, lève-toi de là et pars. Then he tells them again, you can tell this mountain, move and be moved. Et le dernier dimanche, nous avons parlé de ce qu'il a fait avant même de maudire le figuier. And last Sunday we spoke about what he did before even cursing the fig tree. Partant de Matthieu 21, 12, il est allé dans le temple de son père, il a tout considéré, il a vu ce qui se passait. Going from Matthew chapter 21 verse 12 where he went to his father's temple and saw what happened. Il dit non, la maison de mon père ne peut pas être comme ça. He said no, the house of my father cannot be cette this way. Cette maison a une raison d'être. This house has a reason to be. De même que le figuier avait une raison d'être. The same way of the fig tree had the mais reason voilà to be. Mais voilà ce qu'on en a fait. But look at what they've made it to be. C'est devenu une caverne de voleurs. It has become a den of thieves. Alors que c'était un endroit où il fallait prier, adorer Dieu et servir les nécessiteux. Meanwhile, it was a place where they had to pray and serve the Lord and purifié, serve the needy. Il a nettoyé. And he cleansed the temple, et says the Bible. Nous avons vu ce que doit être fait comme usage de la maison de Dieu. And we saw what the use of the house of God needs to be. Un lieu où on ne fait pas de l'exploitation purement charnelle des autres. A place where we do not exploit purely another. Le commerce. Commerce. Un lieu où les nécessités doivent venir et voir leurs besoins remplis et satisfaits. A place where the needy needs to enter and find their needs satisfied and met. Un lieu où s'exerce le ministère. A place where ministry is exercised. Un lieu où se présentent des choses miraculeuse, merveilleuse. A place where miraculous things and wonderful things occur. Et tout cela, en fin de compte, conduit à la louange et à l'adoration. And all that in order to draw us to praise and worship. Pour tous les hommes sans distinction. For all men without distinction. Voilà ce que doit être la maison de Dieu. That is what has to be the house of God. À commencer par le fait que cette maison de Dieu, c'est vous. Vous êtes l'habitation du Saint-Esprit. To begin with that you are first the temple of the Lord, his dwelling place. Vous êtes le temple. You are the temple. Est-ce que vous êtes utilisé et vécu de cette manière-là pour ces raisons-là? Are you utilized in that manner for that reason? Sinon, demandez que Dieu vous purge. Vous nettoyez. If not, ask for the Lord to cleanse you and purify you. Pour que vous reveniez sur la raison d'être de votre vie. That you may come back to the reason and the purpose of your life. Que tout ce que vous faites pousse à glorifier le Seigneur. And that all that you do draws people to worship and praise soignez God. Soignez le temple de Dieu. Soignez la maison de Dieu que vous êtes. Be the temple of God. Take care of the temple of ceci God est valable that you pour are. Vos maisons. Ceci est valable pour l'église où nous sommes. This is valid for your houses as well as the temple, the church in which we are. Que Dieu nous nettoie et nous purifie à sa gloire. May God cleanse us and purify us. To his glory. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons, parce que nous parlons de la foi et la prière. Today, beloved, as we are speaking about faith and prayer, nous allons tirer quelques leçons de la foi et la libération de la puissance. We will draw some points about faith and release of power. La foi et la libération de la puissance. Faith and release of power. Parce que c'est tout ce qui nous manque. Because that's what's lacking. Dans ce monde, vous pouvez servir Dieu avec deux types de forces. In this world, you can serve God with two types of strengths. Vous pouvez servir Dieu avec les dons et talents naturels. You vous êtes né avec ça. Serve God with your natural talents, which you are born mais with. Où, dans ce monde, vous pouvez servir Dieu
avec les dons surnaturels que le Saint-Esprit vous donne. And you can also serve the Lord with supernatural gifts that the Lord gives to you. Mais je vous avertis que l'écart entre servir Dieu avec ou servir le monde avec ses dons naturels et talents. But I want to just warn you that to serve the Lord and the world with your natural talents only. A des résultats de loin très inférieurs à servir Dieu avec les dons et talents et capacités donnés par le Saint-Esprit. Has lesser result in comparison to when you serve the Lord and the world with your God-given supernatural gifts. C'est pour cela que la Bible dit qu'il y a le don du Saint-Esprit et il est distribué à tous. And the Bible tells us that there are gifts of the Holy Spirit which he gives. Il va pas vous donner tous les dons. He will not give you all the gifts. Parce qu'il veut que nous puissions vivre dans la complémentarité. Because he wants us to live into complementarity. C'est pour cela que les cultes en ligne et les cultes personnels ne peuvent pas remplacer le culte dans la maison de Dieu. That's why even online services and all those activities cannot replace physical contact. Parce que ce que je ne peux pas faire, mais que Dieu a donné à mon frère ou à ma sœur. Because what I cannot do, which the Lord has given my brother and my sister. En tant que dispensateur des biens et des dons du Saint-Esprit, je vais en jouir. Being the dispenser of all these gifts of the Spirit, I will enjoy all them. Et ce qu'il a placé en moi, qu'il n'a pas placé dans les autres. And what he has placed inside me that he has not placed in others. Les autres vont en jouir. The others will also benefit dire, of it. Bien aimé, frères et sœurs, it is to say, beloved, ayons la culture du culte à Dieu, let's have the culture of dans a service temple, to God, dans sa maison, in his temple, in his house, et servons Dieu en nous servant les uns les autres, and let us serve God by serving one another. Et avec tous ces dons mis ensemble, and with all these gifts put together, l'ennemi est tenu à l'écart. The enemy is held at a distance. Il y aura la prophétie qui sera dégagée. Prophecy will be released. Les guérisons de malades qui seront dégagés. Healing of the sick will be done. Il sera le discernement des esprits qui sera dégagé. There will be the discerning of the spirits le which will be released. Le parler en langue, n'en parlons pas. The speaking of tongues, de sorte que quand not to l'ennemi say the va least, venir sous n'importe quelle forme, in such a way that when the enemy comes in any form, he will be unveiled and booted out. Est-ce que quelqu'un peut dire hallelujah? Can somebody vous avez raison, say hallelujah? Acclamons bien le roi we des rois et are right to give a hand to the King Merci of glory. Jésus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nous avons donc besoin we therefore need de la foi qui dégage la puissance. Of faith that releases power. C'est pourquoi les disciples ont posé la question à Jésus, mais qu'est-ce qui se passe là? Comment il a séché? That's why the disciples asked Jesus, how, what's happening? How mais did pour tirer ces leçons, j'aimerais que nous prenions un autre texte. But in order to start drawing these lessons, let's look into another scripture. Comme je sais que beaucoup ne participent pas au webinaire, je vais reprendre le texte de Matthieu 17, 14 à 21. Since I know many don't participate to the webinar, I'll go back in the book of Matthew chapter 17. Je vois qu'ils sourient, mais les masques les trahissent. I can see that they are smiling, but the masks are showing it. Voilà. Matthieu chapitre 17. Matthew chapter 17. Verset 14 à 21. Verse 14 to 21. Matthieu 17. Matthew chapter 17. 14 à 21. Une histoire intéressante. 14 to 21. A really interesting story. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. » That's verse 7:15. Lunatique. C'est un mot qui veut dire qu'il souffre d'une maladie qui se manifeste chaque fois que la lune change de cycle. A lunatic is someone who actually feels ill every time the moon quand c'est une pleine lune, il est calme. Changes. When it's a full moon, they are quiet. Quand c'est le deuxième ou le troisième croissant, il est calme. When it's the third or the fourth mais quand change, c'est une nouvelle lune, but when it's a new moon, on peut lui mettre du kaolin à gauche, à droite, parce que les gens commencent à avoir des visions. You can even start restraining him left to right because people start having visions. Et alors, avec ce changement de phase, and with these phases that's changing, son épilepsie devient actif et en crise. Il tombe en crise. His seizures become very critical. He gets into crisis. Et dès que ce temps-là passe de la lune, and when that time of the moon passes, il se calme un peu.
He becomes a bit calmer. Donc, lunatique. J'ai voulu m'attarder là-dessus pour qu'on comprenne la même chose. I wanted to just mention that so je suis au verset 15 de Matthieu 17. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Verse 16. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Les disciples n'ont pas pu the le guérir. The disciples were unable to heal him. Ça, Jésus ne pouvait pas se taire. That Jesus could not remain silent. Ça l'a énervé. It infuriated him. On peut dire que les disciples n'ont pas pu guérir. To be told that the disciples were not able to heal. Verset 17. Verse 17. Race incrédule et perverse. Répondit Jésus. Jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alléluia. Amen. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, en public c'était honteux, gênant, mais en particulier à côté là, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Pourquoi? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Will be impossible for you. Il y a une bémol qu'il ajoute là à cette musique, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. But this type of demon only go with prayer and fasting. Hallelujah. Amen. La prière et le jeûne. Prayer and fasting. Là, ceux qui n'aiment pas prier, jeûner sont mal à l'aise. In that place, all those that don't like fasting and praying, they are. Je ne veux pas demander la dernière fois que tu as jeûné, c'est quand, mais il faut quand même mener une vie de prière et de jeûne. I don't want to embarrass you by asking when was the last time you did that, but si vous voulez libérer la puissance et voir certains résultats dans votre vie. If you want to release the power and see certain results in your life. Et avant de finir ce mois, nous allons marteler sur la prière, marteler sur le jeûne, parce que c'est ça qui est à la base de l'obtention des grands résultats. And before we end this month, we will hammer on prayer and hammer on fasting because it is the cause. Laissez-moi parler premièrement de la dévotion, prière et jeûne fait partie aussi de la dévotion. And it's also part of devotion, prayer. Ce que nous venons de lire dit que lorsque Jésus fut arrivé près de la foule. What we just read showed us that when Jesus got close to the crowd. Laissez-moi vous dire d'où il venait. Let me tell you where he was coming from. Il venait de la montagne de la transfiguration. He was coming from the mountain of transfiguration. Il venait de la dévotion. He was coming from the devotion. Si vous lisez bien le texte, les versets précédents, vous allez voir qu'il avait sur les 12 disciples, il en avait pris 3 et 9 étaient restés. If you actually read the verses above, you will see that he went with 3 disciples and 9 were left Pierre, behind. Jacques, Jean. Peter, James, John. Qui étaient considérés comme les piliers de l'église de Jérusalem. Who were actually considered as the pillars of the church of Jerusalem. Je me demande qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ces 3-là. I wonder what was so special about those 3. Même quand il est allé ressusciter la fille du centenier, quand il a trouvé les pleurs et la foule là-bas, il a laissé les autres, il a plus seulement les 3, ils sont entrés, Talitha Koumi, et puis il a ressuscité cet enfant. Even when he went to resurrect the daughter of that chief in commander of armies, he went with the 3 and left the others behind.
Parce qu'il y a des gens qu'il faut écarter si vous voulez voir les miracles. Because there are people that need to be taken far from you if you want to see miracles. Vous avez déjà vu l'évangile de Thomas, quelqu'un qui ne fait que douter. Have you seen the book of Thomas or the gospel according to Thomas? He was doubting. Et quand vous voulez voir la puissance de Dieu se manifester, and when you want to see the power of God in manifestation, il y a certaines personnes qu'il faut faire taire et mettre à l'écart. There are certain people that need to be kept quiet and kept afar. Même si vous ne dites pas amen, ça c'est la vérité. Even if you do not say amen, that is the truth. Vous avez besoin d'une atmosphère qui libère la puissance. You need an atmosphere that releases power. Alors ils étaient à la montagne de la transfiguration. So they were at the mountain of transfiguration. Oh, quand je vois la hauteur de cette montagne. When I look at the height of this mountain. Quand vous allez en Israël, on l'appelle le mont Tabor. Et quand vous y allez, on ne peut pas y aller avec des petits véhicules, sinon vous tombez parce que c'est terrible cette montagne. Très haute montagne. In Israel, it's called Mount Tabor. You cannot go there just with cars. It's very, very high. Et comment Jésus est allé là-bas avec les disciples? Et en ce temps-là, il marchait. And how did Jesus climb that mountain with the disciples? And in that time, he was walking up. Incroyable. Incredible. Mais quand ils arrivent à la montagne, but when they arrive at the mountain, à un moment donné, quelque chose se passe. At a moment in time, something happens. Les disciples, sans comprendre qu'est-ce qui s'est passé, ils voient seulement Jésus transfiguré. The disciples, without knowing what really happened, they see Jesus transfigured. Donc, métamorphosé. Il prend une nouvelle forme. Taking a metamorphosis form, transforming in a new form. Et il n'est plus seul. Il est avec deux personnalités importantes de l'Ancien Testament. He's no longer alone, but with two personalities in the Old Testament that are very important. Il est avec Moïse. He is with Moses. Et Élie. And Elijah. Même si Élisée avait fait de doubles de miracles, il n'est pas là. Even if Elisha did double miracles, he was not there. Il est avec Moïse et Élie. He's with Moses and Elijah. Qui symbolise et représente la loi. Who symbolizes and represents the law et les prophètes. And the prophets. Ils ont la loi et les prophètes. They have the law and the prophets. Ils ont Moïse et les Élie. They have Moses and Elijah. Qu'ils les écoutent. Let them hear them. Et Pierre, dans cet état de choses, and Peter, in that state of things, il dit non, Seigneur, ça c'est formidable. Says, no, this is wonderful, je veux God. Vous bâtir une tente à chacun et I will build ici. A tent for each one of you. Je ne sais pas où est-ce qu'il allait trouver le matériel pour bâtir le tent. Il allait descendre et remonter ou pas. I wonder where he will find the material dans son to do émotion. That. But in his emotion, il dit non, ça c'est beau. C'est, on ne peut plus rentrer par terre là. Il y a trop de souffrance. This is beautiful. No, we can't go back there. There's too much suffering down on there. Reste. Mais let's stay here. Il y a une tente de Moïse, une tente d'Élie, une tente de Jésus. Mais vous allez être où? I wonder, there was a tent for Jesus, Moses, Elijah. What? Et vos frères et sœurs, et même les autres apôtres, disciples qui sont restés, qu'est-ce que vous en faites? What about the brothers and sisters and the other disciples that were left down the mountain? Mais dès qu'il essaie de bouger, but as soon as he's trying to move, Moïse est parti. Moses disappears. Élie a disparu. Elijah disappears. Et une voix se fait entendre du ciel. And a voice is made loud from heaven. Ne mettez pas mon fils au même niveau que Moïse et les prophètes. Don't put my son at the same level as Moses and Elijah. Parce que c'est de lui que tout ce monde là a parlé. Because it's about him that all those laws and prophets were talking about. Ne mettez pas les tentes pour les mettre au même niveau. Don't level him at the same level. Celui-ci est mon fils, bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. My beloved son in whom I've put all my trust. Écoutez-le. Listen to him. La montagne de transfiguration, à part la dévotion qu'il y a eu, the mountain of transfiguration, apart from only the devotion, a consacré la fin de la loi, consecrated the end of the law, et de l'Ancien Testament. And the Old Testament. Alors maintenant, dès que cela est passé, now, with that being behind, ils descendent de la montagne. They go down of the mountain. Quand ils descendent de la montagne, so when they come down of the mountain, ils trouvent la situation que nous venons de lire. They found the situation we just read about. Un papa est venu avec son enfant. A father with his son. Il est lunatique. He's lunatic. Il souffre cruellement. He has seizures all the time. Je l'ai présenté à tes disciples. I presented him to your disciples for them to heal him. Ils n'ont pas pu. They could not. Jésus s'énerve. Jesus was infuriated. Race incrédule et tordue, perverse. Race of faithlessness and twisted generation. Jusqu'à quand?
Up to when will I bear you? Nous devons découvrir. We need to discover. Comment marche la foi pour libérer la puissance? How faith operates in order to release power. Mes frères et sœurs. My brother and my sister. La puissance était disponible. The power was available. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte quel contraste? Can you imagine what a contrast? Au sommet de la montagne, des choses merveilleuses se font. At the top of the mountain, wonderful things are occurring. La gloire du ciel est là. The glory of heaven is there. Mais au bas de la montagne, but at the bottom of the mountain, le monde pleure et souffre. The world is crying and suffering. Et tout cela coexiste dans la même région. And that is cohabitating in the same environment area. Comment faire pour que la gloire qui est à la montagne vienne aussi et règle les problèmes au bas de la société? How to make it for the glory that is in the mountain come down and touch the society? Bien-aimé, ce que nous devons retenir. Beloved, what we need to understand. Comme leçon de la dévotion et la prière, le ministère. As a lesson for devotion and prayer. Et le ministère, and dévotion ministry, et le ministère, c'est que the devotion and ministry, Dieu nous veut toujours nous retirer avec lui en sa présence. Is that God always wants for us to withdraw with him in his presence. Dieu aime quotidiennement notre communion, notre dévotion. God loves our daily communion and devotion. Cela nous rafraîchit. It refreshes us. Cela nous remplit. It fills us. Mais ce n'est pas pour que nous bâtissions les temples et que nous puissions rester uniquement en présence de Dieu. But it is not for us to start building tents and remaining just in that presence of God. Mais quand nous montons, et c'est ce que représente la montagne de la transfiguration, la dévotion. That mountain of transfiguration representing devotion. Quand nous montons. When we go up there. Et que nous sommes rafraîchis. And that we are refreshed. Nous devons rentrer dans le monde. We need to come down back in the world. Pour servir le monde. To serve the world. Libérer tout ce que Dieu a mis en nous. Releasing everything God has placed in us. Nous sommes en communion avec Dieu. We are in communion with God. Mais Dieu veut que nous soyons en communion avec le monde pour répondre à ses besoins. But God wants us to also be in communion with the world to answer to their needs. C'est ça que j'ai appelé la dévotion et le ministère. That's what I call devotion and ministry. Parce que la puissance de Dieu est disponible. Because the power of God is available. Mais pour que le monde puisse en jouir. But for the world to enjoy and benefit. Il faut que quelqu'un la libère. Somebody needs to release it. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire hallelujah? Can somebody hear me and say hallelujah? Aujourd'hui, mes frères et sœurs, il y a toujours cette controverse. Today, my brother, my sister, there's still that contrast. La gloire de Dieu est là. The glory of God being available. Avec les hommes et les femmes qui se dévouent et qui cherchent la face de Dieu. Through men and women who are devoted to God and seeking God's face. Si quelqu'un ne fait pas quelque chose, but outside there, if one does not do anything, toujours tourmenté par les démons. They will still be tormented by demons. Mes frères dans le Seigneur, my brothers in the Lord, je voudrais que vous puissiez savoir quelque chose. I would like for you to know something. Les démons ne partent pas si on les a pas chassés. Demons do not go if they have not been rebuked and chased out. Vous verrez même dans l'église des gens assises mais possédés démoniaques. That's why even in the church you will see people seated but they are possessed with demons. Mais parce qu'on les a pas chassés. But because they have not been cast out. Une femme qui était toujours avec le dos courbé. And that's why there was this woman with her back. Il venait dans la maison de Dieu, des années sont passées. She would come in the house of God many years. Elle était courbée sous l'effet démoniaque. And she was bent out of demonic possession. Et quand Jésus l'a libérée. When Jesus released her. Elle est aussi une fille d'Abraham. She's also a daughter of Abraham. Elle a droit à la guérison. She deserves healing. Mon frère et ma sœur. My brother and my sister. Retirons-nous toujours pour être dans la transfiguration avec Dieu. Let's always withdraw aside to be in communion with God. Mais sachons que ce n'est pas pour que nous restions là-bas. But let us know that it is not for us to remain there. Mais c'est pour que nous allions dehors dans le monde. But that we may go outside in the world. Pour rencontrer les besoins du monde qui souffre cruellement. To meet the needs of a suffering world. Bien-aimé, cet enfant avait une maladie qui était à la fois physique et spirituelle. Beloved, this child had a sickness that was at the same time physical and spiritual. Vous savez, la Bible présente les possessions démoniaques. Il y a beaucoup de cas dans les Écritures. You know, the Bible presents a demonic possession in many cases. Et les démons sont le rôle majeur. And the demons have as primary role une maladie ou une
démonstration de souffrance, if they don't bring a sickness or a demonstration of suffering, ils vont prendre votre maladie naturelle et l'aggraver. They will take whatever is natural sickness in you cet and enfant, c'était comme une épilepsie. And make it worse. This child, it was like an epilepsy. Toute épilepsie n'est pas démoniaque. All epileptic diseases are demonic. Mais quand les démons entrent dans la vie de quelqu'un qui a déjà ses faiblesses d'une maladie, but when the demons enter into the life of someone who already has those weaknesses, ils prennent la maladie comme leur cheval de bataille et l'aggravent. They take this disease as their horse of riding and increases it. Mes frères et sœurs, que la maladie soit naturelle ou spirituelle démoniaque, beloved, whether the sickness is demonic or natural, la grande tragédie dans cette situation est laquelle? The biggest tragedy in this story is the following. Jésus l'a décrit comme étant l'incrédulité. Jesus described it as faithlessness. Et c'est cette incrédulité qui a entraîné le manque de puissance. And it is this lack of faith that introduced the lack of power. Et cette incrédulité afflige beaucoup de serviteurs de Dieu et d'enfants de Dieu. And this faithlessness is in a lot of servants and devant children of God. Situations, in front of some situations, ils they cannot figure it out. L'incrédulité, race lack incrédule. Of faith, a race of faithlessness. Ça, c'est la tragédie. This is the tragedy. La puissance est là. Power is there. Les besoins de guérison et de délivrance est là. The needs for healing and deliverance are there. Où sont les parents qui viennent intercéder pour leurs enfants? Where are the parents who come and intercede for their children? Comme ce parent que nous venons de lire. Like this parent that we read about. Mais s'il y a les parents qui viennent intercéder pour leurs parents, leurs enfants. But if there are parents who come to intercede for their children. Où sont les serviteurs de Dieu qui peuvent libérer la puissance? Where are the servants of God who can release power? Se mettre dans le gap entre celui qui a le besoin et qui souffre. To be in the gap between the one with the needs and who's suffering. Jésus qui est là, qui a compassion et qui veut sauver. And Jesus who's there, who have compassion and wants to save. Jésus était là. Jesus was there. Même s'il était à la montagne de la transfiguration. Even if he was at the mountain of transfiguration. Sa puissance n'était pas partie totalement avec lui. His power was not necessarily gone. Il a fallu que les disciples. The disciples had to et la foi have faith pour croire to believe et libérer cet enfant and release this et child le guérir and deliver him. Est-ce que quelqu'un peut healing dire amen? Him. Can somebody mais say comme amen? Eux n'étaient pas partis à la dévotion, ils n'ont pas jeûné et prié, le démon là ne pouvait pas les obéir. Since those disciples behind did not go to devotion, to prayer and fast, the demons could not obey them. Il y a certaines choses où Dieu ne laisse pas la réponse venir parce qu'il vous veut en train de prier. There are things where God does not release the answers because he needs you in prayer. Vous savez and ce que la Bible dit à ce sujet? You know what the Bible Jacques says to this subject? 2 dit quoi? James chapter 4 verse 2 says, let's Jacques, read. Chapitre 4. James chapter 4 verset 2. Verse 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous savez, il y a des gens qui entrent dans certains magasins et sortent fâchés. You know there are people who enter some shops and they get out mad. Même quand on a abaissé les prix, il n'est toujours pas capable. Even when there are sales and reduction of prices, he's still not happy. Il sort là. He's upset like. Il est fâché contre qui? Who are you mad against? Parce qu'il n'a pas eu le moyen de se procurer ces choses. Because he had no means to buy something for him. Je reprends la lecture. Let me continue Jacques my 4, reading. 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Yeah. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. La raison c'est laquelle? Parce que vous ne demandez pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? Mes frères et sœurs, my brothers and my sisters, là où il n'y a pas la manifestation de puissance par la foi. Where there's no manifestation of the power by faith. Il y a manque de puissance. There's lack of power. Et quand il y a manque de puissance. When there's lack of power.
Nous avons toujours des besoins non satisfaits. We constantly have needs that are never satisfied. Les besoins même désespérés qui sont non satisfaits. Even desperate needs that are not satisfied. Là où il y a manque de puissance. Where there's lack of power. Ça se manifeste dans la vie même des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. It even manifests in the lives of the children of God and servants of God. On expérimente la déception. You experience frustrations. Et là où il y a manque de manifestation de puissance. And where there's lack of manifestation of power. Il y a des situations embarrassantes. They are embarrassing situations. Je ne veux pas être à la place des disciples dans cette situation ici. I really would not like to be in the disciples' Imaginez shoes. Devant cette foule là, on dit race incrédule et perverse. Imagine in front of that audience. Jusqu'à quand vais-je vous supporter? Race of faithlessness and twisted generation. Jésus est en train de nous dire qu'il ne va pas nous supporter tous les jours parce qu'il nous a déjà donné tout ce qu'il faut. Jesus is telling us that he will not bear with us every day because he's given us everything we need. Nous n'avons qu'à utiliser. We just need to start using it. Hallelujah. Hallelujah. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des jours. He says, I'll be with you up to the end of time. Faites de toutes les nations des disciples. Make of every nation my disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Teach them to look, to watch my commandments. Et voici, je suis avec vous. And see, I am with you. Mes frères dans le Seigneur, my brothers in the Lord, il y a des choses, there are things que nous devons obtenir parce que nous libérons la puissance et la faveur de Dieu en nous. That we need to obtain because we release the power of God. Nous évitons des situations embarrassantes. We avoid embarrassing situations. Nous évitons le gêne. We avoid being embarrassed. Et nous obtenons la réponse à nos besoins. And we obtain answers to our needs. Vous savez ce que la Bible dit? You know what the Bible says? Lisons Psaume 91 verset 15. Let's read Psalm 91 verse 15. Psaume 91 verset 15. Puisqu'il m'aime. Est-ce que je parle à quelqu'un qui aime l'Éternel? Am I speaking to somebody who loves the Lord? J'aime l'Éternel. I repeat. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Est-ce que tu connais le nom de l'Éternel? Do you know the name of the Lord? Le connais-tu en tant que Jéhovah Jireh? Do you know him as Jehovah Jireh, the God who provides? Le connais-tu en tant que El Shaddai? Do you know him as El Shaddai? Le Dieu tout-suffisant et tout-puissant. The all-sufficient and mighty God. Le connais-tu en tant que le Dieu qui est toujours présent? Do you know him as the always present God? Yahweh Shammah, the Lord who's always there. Puisqu'il connaît mon nom. Because he knows my name. Est-ce que tu le connais en tant que le Dieu qui guérit? Do you know him as the God who heals, the God of armies? L'Éternel a beaucoup d'armées qu'il peut envoyer pour régler. The Lord has many armies that he can send to take care of your problem. The name of God. Puisqu'il connaît mon nom. Because he knows my name. Il m'invoquera. He will call upon me. Je voudrais que tu saches invoquer le nom de Dieu en conformité avec la situation que tu connais. I would like for you to learn to call the name of God in conformity with your situation. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. La détresse peut arriver, ça, il n'y a pas de question. Problems can arrive, that there's no question about. Mais quand tu traverses les eaux, but when you go through the waters, elles ne te submergeront pas. It shall not overwhelm you. Quand tu traverses le feu, when you go through the fire, il ne te consumera pas. It shall not burn you. Je suis avec I toi. I am with you. Mes frères et sœurs, my brother, Dieu n'a my sisters, pas dit qu'on va contourner les difficultés dès qu'on les trouve là-bas, puis on les contourne. God did not et on say, continue, non. You will on peut entrer dans les problèmes. The problems. On peut entrer dans we les can difficultés. Go into problems, difficulties. Mais on sait qu'il est avec but nous. We know who is et with quand us. Je sais qu'il est avec moi. And when I know that he's with même me. Comme ceux qui étaient jetés dans la gueule des lions. Even like those who were thrown in the den of lions. Le lion n'a pas pu les bouffer. The lion could not eat them. Les amis de Daniel, vous les connaissez. The friends of Daniel, you know them, right? Abednego. Puisqu'il connaît mon nom. Do they know my name? Il m'invoquera. They will call me. Si tu n'invoques pas, c'est parce que tu ne connais pas le nom que tu if vas if you invoquer. Do not call on him, it's because you do not know the name of Dieu God. Dieu attend que tu l'invoques pour qu'il réponde. God is waiting for you to call upon him tu for him dans la to détresse. Answer. You are in distress. Mais pourquoi est-ce que tu peux penser que tu es seul? But why can you think that you are alone? Il va te délivrer. He will save you. Il va te glorifier. He will glorify you. Peu importe you. La situation que tu connais. No matter the situation you are experiencing. Sois conscient que le Seigneur va te glorifier. Be conscient that the Lord will glorify you. C'est pourquoi Jérémie 33 dit. Jeremiah chapter 33 verse 3 says, call upon me and I shall answer. Je t'annoncerai des grandes choses. I will show you great things. Que tu ne connais pas. Things which you do des not know. Cachées.
hidden things. Il y a des choses cachées. There are hidden things. Tu ne connais pas tout. Tu serais prétentieux de dire que tu connais tout. You don't know all things. You'll même be pretentious dans les situations et les problèmes know. Qui arrivent, tu ne connais pas tout. Les even in the problems and the situations you're going through, you mais don't know quand all tu things. L'invoques, but when you call upon him, il dit, je te répondrai. He says, I shall et answer je vais t'annoncer. You. And I will announce to you. Pas des petites choses. Not des small grandes things, choses. Great things. Des choses cachées. Hidden things. C'est peut-être caché par les démons. It's maybe hidden by the demons. C'est peut-être caché par les forces de ténèbres. It may be hidden by the mais c'est peut-être caché par darkness. Dieu lui-même. It's even hidden by God himself. Parce qu'il dit la gloire de Dieu c'est de cacher des choses. Because he says the glory of God is et hiding la gloire things. Des rois. And the glory of kings c'est de sonder les choses. Is to est-ce que find je parle au roi these en ces lieux? Am I speaking est-ce que je to parle kings? Au en ces lieux? Am I speaking to queens in this place? Give a hand to the Lord. Sache invoquer l'Éternel. Know how to call upon the Lord. Oh hallelujah! Hallelujah! Bien-aimé, beloved. Pourquoi est-ce que les disciples ont manqué la foi? Why did the disciples lack faith? La vraie raison ici c'est l'incrédulité. The true reason here is lack of faith, race unbelief. Incrédule. Race of faithlessness. Laissez-moi people. Vous dire rapidement les quatre choses. Let me just tell you the four things. Qui arrivent pour qu'on devienne incrédule. That actually occur for us to become faithless. Premièrement. The first thing. Si vous doutez que Christ peut délivrer, sauver, qu'il a la puissance, vous êtes incrédule. If you have doubts that Christ can save, deliver, and heal, Christ there's est unbelief. L'objet de notre foi. Christ is the object of our faith. Deuxièmement, secondly, si vous doutez que Christ habite en vous et que cette puissance habite en vous, vous tombez dans l'incrédulité. If you doubt that Christ lives in you and that this power parce is within you, c'est lui qui you a have reçu unbelief. Jésus, because Christ he who has received lui. Jesus, Christ lives l'esprit in l'Esprit de him. Dieu est en lui, sinon tu ne peux pas être enfant de Dieu sans l'Esprit de Dieu. The Spirit of God is therefore in you because you cannot be a son of God without the Spirit of God. Il y a des gens là, ils marchent, mais ils oublient et ils doutent même que Christ est en lui. There are people that are walking, they even forget and they doubt that Christ troisième is in them. Troisième raison qui peut te pousser à tomber dans l'incrédulité. The third thing which can push you into unbelief. Quand tu crois et que tu commences à douter ce que tu crois. When you believe and then you start doubting what you believe in. Je vous encourage de mettre en doute vos doutes. I encourage you to doubt your doubts. Hallelujah. Hallelujah. Moi quand le doute vient, je le doute. Me when my doubts come, I start doubting it. Quand je it. Doute le doute, je tombe dans la foi. And when I doubt oh, my doubts, hallelujah. I enter into faith. Hallelujah. Dis à ton voisin, doute tes doutes, doute tes doutes, doute tes doutes. Tell your neighbor, doubt your doubts, doubt your doubts, doubt your doubts. Quatrième raison pour laquelle vous pouvez tomber dans l'incrédulité. The fourth reason that can push you into unbelief is. C'est quand vous commencez à ne pas savoir que ce que vous faites est la volonté de Dieu. Is when you start not knowing that what you're doing is the will of God. Enfants de Dieu, ne devinez pas la volonté. De Dieu. Children of God la do prière not n'est exaucée que quand nous demandons selon sa volonté. Do not start thinking like it's the will of God, but the prayer is when we know the will of God. Est-ce que tu peux acclamer mon Dieu can et mon you roi? Give a hand to my King and my God? Mes frères dans le Seigneur. My brothers in the Lord. Il s'est passé des choses ici. There are things that happened here qui ont bloqué la libération de la puissance. That blocked the releasing of the power of God. We are getting lessons sur la foi et on la manifestation faith de la puissance. And the manifestation of the power. Nous en avons besoin. We need it. Et prions que Dieu nous aide. And let us pray for God to help us. Ici, here, il est question d'abord de l'atmosphère. It's first a matter of atmosphere. Là où vous voyez les miracles se passer, on crée d'abord l'atmosphère des miracles. Where you see miracles take place, first there is the creation of that atmosphere. C'est pourquoi dans la maison nous adorons, nous déplaçons le nuage de l'incrédulité. That's why in the house of God we worship God and we remove the cloud of doubt. Il y a des gens qui chantent les cantiques que par le rythme là, mais ils ne retiennent jamais les paroles. C'est important les paroles que nous chantons. There are people who actually just like to sing based on the beat, but they never remember the lyrics. You must remember the words. Hallelujah. It's important. Hallelujah. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Because faith comes from what we hear. Je chante que I Jésus libère. I sing that Jesus delivers. Ça monte ma foi. It increases my faith.
Et je le crie, je l'entends moi-même. And I sing it and I hear it in my ears. Et comme je l'entends, ça va au cœur, ça monte la foi. And as I hear it, it goes in my heart and increases my faith and my mouth declares it again. This atmosphere. Mais vous savez, quelle est l'atmosphère que Jésus a trouvée en revenant de la montagne de la transfiguration? But what atmosphere did Jesus find by when he came down from the mountain? L'atmosphère qui ne pouvait pas permettre les miracles. An atmosphere that would not allow for miracles. J'aimerais vous lire le même texte. I would like to read to you the same scripture. Dans Marc chapitre 9. In Mark chapter 9. La même histoire. The same story. Selon Marc. According to Mark. Nous l'avons lu selon Matthieu. We read it according to Matthew. Marc chapitre 9, 14 à 29. Mark 9, 14 to 29. Vous allez comprendre qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui ont fait qu'il manque de puissance. You will see that many things allowed for power to lack. Marc 9, 14 à 29. Je le lis rapidement comme c'est un peu long. To 29. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, donc ils viennent de la montagne de Transfiguration. So they're coming from the mountain of Transfiguration. Ils virent autour de ces disciples, donc les neuf qui étaient restés, une grande foule. Non seulement une grande foule, not et des a scribes great crowd, qui discutaient avec eux. But even scribes who were arguing with them. Vous discutez quoi avec you les are gens? Arguing what with people? Ça ne peut pas permettre les miracles. It cannot allow Ils vont miracles. Vous poser des questions qui vont vous embrouiller. They will ask you questions that will make you confused. Moïse a dit ceci. Ce Moses sont des scribes. Said that. They are scribes, hein? Mais toi, tu parles des anges. Ils you ont are speaking quel sexe? Of angels. What sex do they have? Et quels sont les géants qui sont venus, qui ont pris les filles des hommes et qui ont and engendré des géants? The giants or the angels that came and took the daughters of et the ça, giants? Ça va commencer à vous faire douter. It will start making et you quand doubt. On vous apporte maintenant une personne possédée, and now when you are brought a possessed et man, et il rigole. In unable. Je refuse de discuter avec les gens sur les choses de Dieu. I refuse to argue with people on God's stuff matters. Parce que c'est un monde où il n'y a pas la logique des hommes. Because it's a world where there's no logic of men. Les gens qui viennent pour vous faire discuter. People who come to make you argue. Ils vont vous faire douter. They'll make you doubt. Et quand il sera temps que vous libériez votre puissance. And when it will be time to release power. Vous ne pouvez pas le faire. You are unable to do it. Parce qu'ils vous ont déjà fait douter. Because they've already made you Verset doubt. Verset 15. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Écoutez le verset 16. Il leur demanda. Sur quoi discutez-vous avec eux? Sur quoi? What are you arguing about to them? Et un homme de la foule lui répondit, réponds au maître, on discute sur quoi? Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé. Lui, il dit possédé, donc une possession he démoniaque. Said he was possessed with d'un spirits. Esprit muet. Mm. Et quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, il grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre. Et se rouler en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Verset 22, écoutez-moi ça. Verset 22. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, Verset 23. Si tu peux. What if you can? Tout est possible. All things are possible. À celui qui croit. Tu for dis quoi? One si tu who peux, believes. Moi, tu me demandes, it's possible if il you faut believe. Pas aller à Jésus commencer à dire si tu peux. Don't go to Jesus saying if you can. Parce que si tu dis que si tu peux, ça veut dire que bon, si tu ne peux pas, il va rester comme ça, mais si tu peux. Because when you go in that way, it's like if you can't, well, oh, stay like this. Oh, j'aime le Seigneur. I love Verset 23. Verse Jésus lui répondit si tu peux. If you can. Tout est possible à celui qui croit. All things are possible for one Est-ce who que je parle believes? Aux personnes qui croient? Am I speaking to people Tout who est believe? Possible. All things are possible. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, 24. Je crois! The father of the son Viens au secours de mon incrédulité! Help my
Aujourd'hui, que Dieu vienne au secours de ton incrédulité. Parce qu'à cause de l'incrédulité, tu ne peux pas avoir la réponse. Because with unbelief, you cannot see the answer. Viens au secours de mon incrédulité. Come to the rescue of my unbelief. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd. » Quand tu découvres l'esprit que tu connais son nom, il ne tient pas, tu le chasses et il part. When you discover the demon and his name, je te l'ordonne, sors de cet enfant. Et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort. De sorte que plusieurs disaient qu'il était mort, mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Vous comprenez l'importance de la prière. Understand the importance of acclamons Jésus pour un Let instant. Us give a hand to the Lord. L'atmosphère. The atmosphere. Discussion avec les scribes. Arguing with scribes. Discussion théologique. Arguing theologies. Branham a dit, Branham a fait. Branham said and did. Kadima a dit, ceci. Kadima said this and that. Sangoma noule. Sangoma said this. Avec ça, vous ne pouvez pas libérer la puissance. With that, you cannot release power. Parce que ces discussions vont vous faire douter. Because those arguments bring doubt. Et les démons qui vous voient douter. And the demons who sees you doubt va vous regarder, will look at you. Et la personne va rester dans ces conditions. And the person will remain demon possessed. My brothers, my sisters, ont manqué la foi. The disciples lacked faith. Les scribes leur ont posé des questions embarrassantes. The scribes asked them embarrassing questions. To the point where they were arguing. Et puis il y avait une foule. And there was a crowd. Dans toute cette affaire. In all this. Qui a fait qu'ils ne pouvaient pas chasser les démons dans ces conditions-là. C'est pourquoi parfois quand nous sommes dans les séances de délivrance, that's why sometimes when we are in sessions of deliverance, on passe un temps de chant. We go through moments of singing. Appropriés. We take the right songs. On s'occupe même pas du possédé. We don't even take care of the possessed. We first create the ambiance. Et dès que l'esprit maintenant nous convainc, when the spirit convicts parce que nous sommes dans cette us, dévotion avec because notre we are now in this nous sommes comme devotion. Des personnes qui sont montées à la montagne de la transfiguration. We are like these people into dès the mountain of transfiguration. When we come bien down, aimé. There's no more arguing. Un beloved, seul miracle vaut mieux que mille discours. One miracle is worth millions of un seul arguing. Parle plus que mille prédications. One miracle is worth multitudes of predications and preachings. Alléluia. Can somebody hear me and je say hallelujah? Mes frères et sœurs, I would like my brothers and sisters comprendre une chose, that we understand one thing. Le Seigneur est déçu. The Lord is disappointed. Quand il nous donne une puissance, mais nous ne savons pas nous en servir. When he gives us a power and we are unable to use it. Je voudrais I would like qu'on arrête là aujourd'hui. That we stop there today. C'est pour cela que la maison de Dieu, c'est une maison de prière. That's why the house of God is a house of Parce prayer. Parce que c'est une maison où nous devons tenir les démons à l'écart. Because it's a place where we need to keep the c'est demons at a distance. C'est une maison où quelqu'un entre s'il a un problème. It's a place where we, if someone with a need comes in. L'esprit de Dieu et l'onction qui est sur place le touche. The spirit of God and the anointing that in the place touches them. The person receives the revelation. The sick is healed. C'est une maison où Christ est élevé. It's a house where Christ is lifted up. C'est pas une maison de discussion inutile. Not a house of arguing that are futile. Pour servir. But a house to serve. Mes frères dans le Seigneur. My brothers in the Lord. Que Dieu nous aide. May God help us. À comprendre. To understand. Qu'il est toujours présent. That he's always present. Même quand physiquement on ne le voit pas. Even when physically. C'est là que nous devons exercer la foi. That's where we exercise our faith. Dans le cas que nous venons de lire, il était à la montagne. In the case we just read, he Mais was in the mountain. N'était pas seulement avec lui à la montagne. But he was not only the Holy Spirit was not just with him in the mountain. Les disciples devaient libérer la the disciples had to believe and release the power aux besoins du monde. To meet the needs of the world. Voilà à quoi Dieu nous appelle. This is what God calls us to. La foi est la manifestation de la faith puissance. And manifestation of the power of God. Ça fait la fierté à Dieu. It gives glory to God. Voilà ce qui manque.
That's what is lacking. Y a-t-il des parents fatigués? Are there parents who are tired? De leurs enfants troublés par des démons? Of their children who are troubled with demons? Like this parent. Y a-t-il des serviteurs, des enfants de Dieu? Are there servants of God, children of God? Remplis par leur dévotion à Dieu. Filled with their devotion to God. Pour s'intercaler et trouver les solutions. In order to actually interject and find solutions. Parents, intercédez pour vos enfants. Parents, intercede for your children. Serviteurs de Dieu, intervenez pour répondre aux besoins. Servants of God, intervene to meet the needs of the people. Et vous verrez la manifestation de la gloire de Dieu. And you will see the manifestation of the glory of God. On acclame, on se tient debout. We give a hand to God and we stand up. Parce que le Seigneur nous montre que sa puissance est plus grande que celle des démons. Because the Lord shows us that his power is greater than that of demons. N'est-ce pas ce que Colossiens nous dit, chapitre 2, 14 à 15? Isn't that what Colossians tells us in chapter 2, 14 to 15? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. He has erased the act that was condemning us. Et qui subsistait contre nous. Which was against us. Hallelujah. Hallelujah. Il l'a détruit. He destroyed it. En le clouant à la croix. By putting it at the cross. Il a dépouillé les dominations. He deprived dominions. Il a dépouillé les autorités. Authorities. Il a dépouillé et les a livrés publiquement. And has delivered them into spectacle. Tout ce qui vous apporte de problèmes, c'est une autorité. All that is bringing you problems is an authority. Mais j'aimerais vous dire que Christ l'a déjà dépouillé. But I want to tell you that Christ has already deprived them of power. Tout ce qui se tient sur votre chemin comme une montagne. Anything that stands before you as a mountain. Une difficulté qui vous empêche d'accomplir votre mission. Or a difficulty that is stopping you to accomplish your mission. Speak to parlez it. À vos difficultés. Speak to your difficulty. Parlez à vos problèmes. Speak to your problem. Parlez à votre culpabilité. Speak to your culpability. Parlez à votre maladie. Speak to your sickness. Parlez à tout ce qui vous semble un obstacle. Speak to anything that is c'est a hindrance before you. Let it be mountains. Dis-leur, montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Who are you in front tu of seras aplani. You will be je déclare aplani les montagnes de votre I vie. I can see mountains that are laid plain. Et vous allez continuer à marcher. And you will continue walking. Servir votre Dieu le glorifier. Serving your God with vous don't êtes doubt. Condamné à réussir. You are condemned to par succeed. Par la puissance du Saint-Esprit. By the power of the Holy Spirit. Un peu à Dieu. Parle, can you speak parle. To God? Tu sens l'Esprit te pousser à faire. According to what the Spirit of God is pushing parle you Seigneur, to say. Parle à notre speak roi. To the Lord. Speak to au our nom God. Puissant de Jésus. In the name of Jesus. Que Jésus ne vous traite pas de race incrédule et perverse. Let Jesus not treat you as a generation parce of faithlessness. Parce que vous croyez et vous ne doutez pas. Because you believe and you doubt parce que not. Vous parlez, parlez. Because you speak, speak. Nous avons dans nos maisons des personnes qui ont besoin de la manifestation de la puissance. We have in our houses people who need the manifestation of the power of God. Nous avons au travail des personnes qui nécessitent la manifestation de la puissance. We have in our workplaces people that need the manifestation of the power of God. Nous avons les montagnes de tout genre. We have mountains of all kinds. Mais pourquoi ces montagnes nous subsistent, nous résistent? But why are these mountains still there? Parle et déclare la manifestation de la puissance de Dieu. Speak and declare the manifestation of the la power of God. La foi libère la puissance. Release the power of la God. La foi détruit les chaînes du faith diable. Faith destroys the chains of la the devil. La foi apporte le salut. Faith brings salvation. Ora basha kiyo boya boko foro baraba. Hallelujah. Hallelujah. Jésus libère les captifs. Jesus releases the captives. Ne doute pas. Ne suis pas ce que tes yeux sont en don't train de voir. Don't follow what your eyes are seeing. Ne suis pas ce que tes sens sont en train de te montrer. Don't follow what your senses are Jésus showing libère, you. Jésus Jesus guérit. Delivers. Jesus heals. Jésus sauve. Jesus saves. Jésus a déjà vaincu les Jesus has overcome. Et à la croix du calvaire. And at the cross of Calvary. Le diable et toutes ses manifestations. The devil and all tous its manifestations. All its demons. On s'était livré en spectacle. Has been overcome. C'est pourquoi nous pouvons jouir de ce we salut. Can enjoy today. Nous pouvons jouir de la victoire. We can benefit of victory au nom today. Puissant de in Jésus the powerful Christ. Name of Jesus. Sa grâce est souveraine. His grace is here. Hallelujah. Hallelujah. Ndores pora kasha baba. Monarabaya basante. Hallelujah. Thank you for watching. Please connect with us on Facebook at Logos Rema Christian Ministries South Africa
and also subscribe on our YouTube channel at Logos Rema Christian Ministries SA, so that you may always be updated with the Word of God. For offering, tithes, and donations, the details will appear as follows. You can do an electronic transfer to our bank account. We bank with First National Bank. Or alternatively, you can send us an e-wallet on +27 81 527 1005. We also have a prayer line, so please send us your prayer requests via WhatsApp or normal call on +27 81 527 1005. Thank you and stay blessed.